gens de Terre, j'espère que vous allez bien, sans pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Comme d'habitude, je n'ai aucun ami. Ma vie est vraiment pénible, les amis. Et oui, aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur K-Faction, mon serveur PVP Faction Launcher qui va sortir en 2027. Donc, aujourd'hui, on est sur le spawn parce que j'avais pas vraiment de territoire où aller. Je voulais vous parler de plusieurs petites choses. Donc, d'ailleurs, du fait que beaucoup d'entre vous me demandent si j'arrête YouTube, si j'arrêtais YouTube, etc. Et aussi, vous parler un peu de K-Faction, qu'est-ce que c'est, etc. pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent quand même savoir un peu où que le projet en est, vu que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a de ça quelques temps. Donc, commençons par le vrai sujet et le titre de cette vidéo, Icons arrête YouTube. Donc, je reçois beaucoup de Snapchat dernièrement et de messages sur Twitter et autres réseaux sociaux. Surtout Facebook, hein. Je sais pas pourquoi ma page Facebook, il y a plein de gens qui m'envoient des messages comme quoi que j'ai arrêté YouTube. Ils me disent, ouais, Icons, t'as arrêté YouTube, etc. Et j'ai pas arrêté YouTube, les amis. Je sais pas de où est-ce que vous sortez ça. Je compte pas arrêter YouTube. J'ai juste pas posté pendant une semaine. Et puis, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu un bug de YouTube dernièrement avec les glitches des abonnés. J'ai perdu genre 1000 abonnés. Puis là, oups, j'ai récupéré. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Ensuite, quoi d'autre qui s'est passé? Oui, ben le glitch dans le fond des unsub. Donc en gros, à ce qui paraît, vous aviez. Certains d'entre vous étaient unsub de ma chaîne YouTube. À ce que j'ai entendu dire, il y avait un autre bug avec YouTube là-dessus. Je sais pas trop de quoi ça se passe, mais bon. Et puis, ben moi, j'ai une solution, en fait, pour pas que vous demandez si j'ai arrêté YouTube ou pas. Vous voyez, quand vous abonnez à ma chaîne YouTube, il y a une petite cloche à côté. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que si vous activez cette cloche-là et que vous commentez ma vidéo, une de mes vidéos, quand ils sont postés, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de personnellement répondre à tous les premiers commentaires ou tous les commentaires. À chaque fois que je vais poster une vidéo, je vais regarder les commentaires, je vais essayer de répondre le plus possible aux premiers arrivés. Donc si jamais vous avez une question concernant la vidéo ou quoi, ben je vais essayer de répondre dans la première heure dans le fond que la vidéo est postée. Donc ceux qui ont la notification, si vous n'avez pas compris, vous allez être notifié sur votre téléphone portable ou dans vos alertes sur votre PC. Ça vous annoncez dans le fond que je viens de poster une vidéo, comme ça vous pourrez rater aucune de mes vidéos. Et puis même si vous aimez pas toutes mes vidéos ou vous êtes là juste pour certaines vidéos, ben t'sais, faites juste des fois, vous venez sur la vidéo, laissez un petit pouce bleu, ça me fait même plaisir, même si vous regardez pas nécessairement la vidéo. Parce que dernièrement ma chaîne YouTube est en train de mourir, puis ça me fait vraiment énormément peine. J'ai voulu arrêter, pour être franc avec vous, j'ai voulu arrêter. Et puis je sais pas si vous connaissez Ico et Roman, mais ils m'ont fait genre ouais Icon, tu peux pas arrêter, t'as 22 000 abonnés et tout. Et moi j'ai dit ouais, ben je voudrais faire une chaîne Rust et tout. Et eux ils m'ont dit non mec, continue ta chaîne Minecraft et tout, les gens ils t'aiment et tout. Et j'ai fait ben non, personne m'aime et tout. Et là ils m'ont envoyé tous les deux des 10 bits. Et puis voilà, j'étais content. Donc bon, non ça c'était une blague par exemple. Mais bon, vous avez compris les gens, qu'est-ce que, genre c'est genre vraiment, genre je sais pas comment vous expliquer. Genre quand je faisais mes admin séries, que iFaction était ouvert etc, même sur Upskill PvP on faisait genre 8000 vues par vidéo les gars, c'était un truc de dingue. J'étais genre what, 8000 vues les boys. Et puis là maintenant on fait genre 1000 vues et c'est difficile de faire 1000 vues tu vois. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si vous avez des amis qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui sont peut-être plus, qui suivent plus peut-être mes vidéos, ben dites-leur simplement, je sais pas, de repasser que je suis gentil quoi. Pourtant je travaille encore plus fort qu'avant dans mes vidéos. Je sais pas, genre, je sais pas si vous avez remarqué dernièrement, peut-être que vous avez remarqué, mais les contenus de mes let's play sont différents, etc. J'essaie tout le temps de proposer quelque chose d'intéressant. Et puis voilà, ben genre s'il faut faire des vues et si pour faire des vues il faut que je fasse des titres putaclic comme Cario et puis Tsender, ben, je vais commencer à le faire les gars, hein. Il y aura 3 cancers dans la communauté à la place de 2, je veux dire, enfin l'autre avec ses titres genre une meuf me montre c'est ça pour 8 euros, et l'autre gars qui se fait tout le temps le D2S hacker et tout dans tous ses vidéos, voilà c'est chaud quoi. Mais bon, s'il faut que je commence à faire ça, ben, je vais le faire aussi moi les gars pour gagner des abonnés, de la thune et tout, hein. Parce que voilà quoi, je suis passé que je faisais 200 000 vues par mois et là on est rendu à que seulement 100 000 vues par mois, gros, il y a un gros souci. Les années de série vont revenir bientôt les gars, donc ça je sais que ça va un peu rebooster ma chaîne, dans le sens que ça va un peu aider ma chaîne et tout, mais c'est pas le but que ça... Mon but c'est pas que ça... que les années de série fassent que ma chaîne tienne, tu sais, je veux que les mini-let's play comme sur Skill PvP, OpsiFight, etc. C'est ça qui fasse vivre un peu ma chaîne. Maintenant surtout qu'il y a plus de youtubeurs qui font du PvP faction, je suis comme un peu seul en ce moment avec iSweets.
Parce que Ankuno Maiskill, si je m'abuse, il a quitté le PvP faction. Corrigez-moi plutôt si je me trompe, mais il me semble qu'il fait juste du CSGO maintenant, ce qui est plutôt bien, hein, ça paye bien, et c'est cool CS, moi j'adore CSGO. D'ailleurs, j'ai une chaîne CSGO si vous voulez aller voir, j'ai posté une vidéo dessus en anglais par exemple, parce que voilà, je parle anglais. Donc voilà, voilà. Et puis, ouais, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire, mes copains, à propos de ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est CoFaction? CoFaction, c'est un serveur launcher qui a été ouvert en 2013, si je ne me trompe pas, fin 2013, début 2014. Et puis, qu'est-ce qu'on avait fait sur ce launcher-là? On a fait un launcher classique. À l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de launchers. Il n'y avait en fait aucun launcher à part Plutonia. Et Plutonia, à cette époque-là, il s'était fait hacker. Et puis voilà. Ensuite, il y avait un serveur qui s'appelait Candy PVP ou Candy Craft. Il y avait Candy Craft ou un truc comme ça. Et il y avait aussi Scandy Craft, justement, qui était ouvert à l'époque aussi. Il y avait juste ces launchers-là, je crois, si je me souviens bien, ou c'était dans ce temps-là, où il n'y avait vraiment pas beaucoup de launchers avec All Fight, All Fight, les originales, quoi, avec Ascension et tout. Mais bon, dans ce temps-là, il n'y avait pas genre Everfight et tout, ça n'existait pas. Et puis en gros, nous, on avait sorti CoFaction, qui était un des launchers les plus populaires à l'époque. On avait fait 300 connectés avec l'aide de Ice Sweet, Fluco Craft et plein d'autres youtubeurs genre XK28, Léo Lalo et Extasia aussi, c'est ceux que j'ai en tête en ce moment, qui avaient propulsé CoFaction au plus haut sommet. On avait à l'époque bien sûr payé des youtubeurs, on avait vraiment fait en sorte que le serveur soit super bien. Et puis on a fait, je dirais, quand même beaucoup d'argent. Et puis l'argent nous est monté un peu à la tête, dans le sens que moi et mon collègue qui était Fonfi à l'époque, ben, on a commencé un peu à dépenser un peu n'importe comment, à se prendre la tête parce que justement on dépensait trop, etc. Ben on dépensait trop, dans le sens qu'on dépensait pour des youtubeurs, des trucs comme ça. Et puis voilà quoi, enfin, au final ben, on s'est mis à plus se faire confiance et à se disputer. Et puis voilà, donc j'avais quitté le projet. Et là, ben, dernièrement j'ai voulu rejoindre le projet, j'ai voulu refaire CoFaction. J'ai contacté Fanfi, j'ai dit yo, tu veux oublier les histoires du passé et juste faire le serveur comme il était avant et sympa et tic et tout. Et on a décidé de plus avoir de problèmes avec l'argent, etc. Vu qu'on va utiliser un système qui nous est proposé par DidiPass de faire 50-50 et ensuite chaque exemple, le premier mois c'est moi qui va payer la machine, le deuxième mois ça va être lui, ainsi de suite. Et puis chacun d'entre nous va se cotiser pour les dépenses, etc. Comme ça on sait qu'il n'y aura pas de soucis. Et puis voilà, enfin, genre je sais que je devrais pas vous parler genre d'argent, etc. Mais c'est quand même genre, c'est quand même important, je trouve, parce que c'est pas tous les youtubeurs qui vont être frères avec vous, qui vous disent genre exactement et tout ça. Et puis moi je vous le dis parce que ben c'est ce qui va arriver quoi. Et puis on va pas se cacher que ben un serveur ça produit quand même beaucoup d'argent. Puis c'est toujours le fun d'avoir un peu d'argent de côté, les amis, juste en faisant des vidéos sur internet, etc. Là, je veux dire, c'est cool quoi. Je suis vraiment 100% remerciement genre pour vous. Je sais que c'est grâce à vous et puis grâce à vous. Donc voilà, un gros merci pour ça, mais je voulais vous quand même vous tenir au courant comme quoi qu'il n'y aura pas de problème cette fois-ci. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un launcher PvP faction, mais comme avant, 1.7, 1.7X, là, t'sais, en gros toutes les versions 1.7. Et il y aura des trucs inédits, ça va être la même chose qu'avant, donc il y aura les pilotes, les trucs comme ça que vous avez connus, les anciens joueurs de CoFaction. Je vais vous présenter le launcher bientôt, le design est presque terminé, vous pouvez aller le voir sur notre Twitter. Mais on va vraiment finir le projet qu'on avait envie. Donc on avait, là ça c'est la map du spawn d'ailleurs, ça c'est la warzone, ça c'était le spawn où on était. Ça c'est un KOTH, c'est une ruche d'abeilles, si vous n'avez pas témoigné, ça c'est des abeilles avec une ruche, il y aura un KOTH à l'intérieur. On aura aussi un temple. Ça c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas avant, dans le fond, un temple. Et le temple il va apparaître des chests à l'intérieur, et puis vous allez pouvoir loot les chests. Et dans le temple, ben le temple il est en haut de la montagne, donc c'est quand même assez difficile de monter. Il ne pouvait pas foutre de home dans la warzone. Ça c'est un truc que vous allez devoir vous rappeler. Et puis dedans il y aura des coffres à chaque fois, comme par exemple ça ça serait un coffre ici que vous allez pouvoir loot du stuff. Là vous promenez, c'est quand même assez grand, vous allez vous perdre assez facilement. Mais dites-vous qu'il y aura du PVP et tout ici aussi. Donc, c'est pas ça qui allait là, mais bon. Comme par exemple, là, vous voyez, il y en a un autre ici. Et là, si on descend ici, il y en a peut-être un autre. Ah, il n'y en a pas ici. Si je veux dire, vous allez vous promener dans le temple et vous allez trouver des coffres. Il est quand même assez grand. Là, on n'a même pas fait la moitié. Comme vous voyez, il y a plusieurs balcons, etc. Comme par ici, vous voyez, il y a des balcons et des trucs comme ça. Plus haut, il y a plusieurs trucs en haut et tout. Donc, vous allez pouvoir trouver des coffres avec des items à l'intérieur. Donc, ça va être l'event temple. C'est comme une tombée de coffre dans la warzone, un peu comme sur Skill PVP. Mais nous, on a voulu le faire dans un temple. Et ensuite, ça, c'est un KOTH en bas, un truc normal quoi. C'est juste un petit bâtiment avec un point de capture. Mais je pense qu'on va le supprimer. Je l'aime pas vraiment celui-ci. Ensuite,
Ensuite, on a ben, la warzone. Vous voyez les éléphants un peu. Je vous montre un peu la warzone en ce moment. Très plate. Là, vraiment super de belle warzone. 800 par 800. C'est super grand la warzone, les amis. Ça continue après aussi. Hein. Là, je suis juste dans la partie du désert. Mais ça continue jusqu'à ici. Et là, il y aura la Dove anti-back-up, la Dove back anti-back-up. Et ensuite, juste un truc qui va continuer. Je sais pas si on va faire une Dove finalement ou pas. Ça va être à vous de décider. D'ailleurs, on a le site cofaction.fr ou cofaction.net. Vous pouvez vous rendre dans la section proposition. Et proposer vos events, vos idées. Le savoir est encore en mode de développement. On espère sortir après le mois de mars, peut-être. Si tout se passe bien, après le mois de mars, ça devrait être sorti. Mais sinon, c'est vraiment un projet qu'on veut prendre notre temps dessus. Ça fait déjà quelques mois qu'on est dessus. On avait quelqu'un qui buildait le spawn au début, mais ça ne nous a pas satisfait le travail qu'il fournissait. Le build n'était pas fait assez rapidement et on a préféré juste faire affaire avec la team de build de Tenezi qui nous ont vendu ce spawn-là pour très peu cher. Et puis en plus, on a un super de beau spawn avec un volcan, le temple et tous les trucs qu'on voulait dedans. Donc voilà, le volcan, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous vous souvenez, les amis, à l'époque, il y avait une nouveauté qui devait sortir juste avant que le serveur ferme. C'était la volcanite, etc. Et on avait déjà ajouté la pierre de métal, la pierre de volcanite ainsi que la lava sponge et plusieurs items qui avaient rapport avec la lave à cause de ce volcan. Qu'est-ce que c'est ce volcan? Ce volcan, c'est dans le fond. Dans la zone du volcan, soit que ça soit, ça se peut que ça soit, je vais juste prendre un bloc de laine par exemple, mais par exemple, ça se peut que ce soit là, ça se peut que ce soit ici, ça se peut que ce soit par terre. Dans une région, il y aura des blocs, des pierres de volcanite qui vont apparaître dans le fond, et ils vont être minables. En gros, vous allez juste donner un coup de pioche dessus et boum, ça va se récupérer vous allez devoir le miner, quoi, il va avoir une durabilité, mais bon, ça vous allez avec votre pioche, et il va pas tomber par terre, il va tomber directement dans votre inventaire. Et là, ensuite, avec ça, vous allez pouvoir crafter des nouvelles armures, etc. Et puis, bon, ainsi de suite, quoi. Je vais faire une vidéo sur le launcher très bientôt. J'ai vraiment hâte de ça parce que le client est bientôt terminé. Il nous reste deux petites choses à faire, je crois. Puis, il nous reste des textures à faire. Donc, on avait quelqu'un pour faire les textures, mais il me répond pas sur Skype. So, si quelqu'un d'entre vous sait faire des textures et qui voudrait recommencer tous les projets des textures à zéro, ben, je voudrais vraiment faire affaire avec vous. Je sais que je voulais demander à Kalan au début, mais je pense qu'avec son launcher Kryptonia, je pense pas qu'il va vouloir nous aider parce que Kalan, c'est un des meilleurs pour faire les packs de textures. Ben, moi, je pense, c'est mon avis personnel, là, mais moi, je pense que c'est vraiment un des meilleurs pour faire les packs de textures et tout. Donc, voilà. C'est pas mal tout ce que j'avais envie de vous dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense près pas. Ah, oh, ben, j'ai pas vraiment montré le spawn à l'intérieur, mais oui. Surtout, c'est juste que je veux que vous ayez sur le forum de Cofaction et que vous allez laisser vos idées. Que ce soit n'importe quelle idée, les trucs que vous préférez sur les autres serveurs, un truc inédit, peu importe, vous allez dans Proposition et idées, vous créez un topic avec votre idée et puis je vais répondre personnellement à votre topic ainsi que dans Présentation et faire une petite présentation de vous si vous en avez envie, etc. Vous faire connaître un peu par la communauté et puis nous allons recruter aussi des helpers. Par exemple, la seule condition, il va falloir que les helpers aient déjà joué sur Cofaction, une ancienne version de Cofaction avec des preuves à l'appui. Par exemple, vous avez été dans une de mes vidéos, etc. Parce qu'on veut vraiment que les personnes connaissent quand même l'histoire de Cofaction. On veut que les gens, ils savent l'histoire de notre serveur qui existe depuis maintenant près de 2 ans. Donc voilà. Sur ce, mes amis, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Akons, je vous aime. Merci. Ciao!